C'est La folle vie de Bubblegum. Le livre de Maxime. C'est moi le plus fort. C'est moi le plus fort. Je me souviens plus du nom, tout ce que c'est que je l'adore. Ma tante ne veut pas tomber. Les dragouilles. Le livre sans images. C'est dégueulasse. C'est un ours, un orignal, un castor qui veulent aller en bateau. Mais là, ils sont en chicane. Mais là, à la fin, ils serrent les pouces pour réussir à rentrer. C'est un petit garçon. Il croque la pomme et il hurle parce que sa dent lui fait mal. Ça part d'un loup qui demande à toutes les personnes qu'il trouve c'est qui le plus fort. Il rencontre alors le petit chaperon rouge. Qui est le plus fort? Demande le loup. C'est vous, ça c'est sûr. Mais près de la fin, il rencontre un petit crapaud et c'est pas ça qu'il lui dit. Après, il appelle sa maman et elle essaye d'arracher la dent, mais elle résiste. Le petit singe qui va arrêter le monsieur à parler sans image. Monsieur, il parle. Et après, lui, il coupe la parole. C'est une gomme. Et elle part à l'aventure. Elle se promène un peu partout. Il y a beaucoup de personnes qui la valaient, en fait, mais elle va se retrouver dans le caca d'un chien et après, elle va faire... Du coup, son papa, il prend des pinces et il met son pied sur son nez et il tire. Mais elle résiste. Ça part de Maxime. À Nouvelle-Anne. Il lui la montre comment monter l'échelle et glisser. Du coup, il prend une autre pomme et Adam lui fait encore mal. C'est des blagues. C'est toi qui as fait cette bûche de Noël? Oui. En veux-tu un morceau? Oui. S'il te plaît. Je me disais aussi. Qu'est-ce que ça raconte, ce livre? Les choses qui sont dégueulasses. Comme ça. Ah! Du coup, il appelle le dentiste. Le petit garçon, il dit qu'il va accrocher la corde à la porte. Mais le dentiste, il dit non. Il dit il va accrocher à sa voiture. C'est... Parce que quand elle mange du savon, il y a des bulles. C'est quand elle se retrouve dans le caca ici. Le chien l'a avalé, fait que là, il a fait une petite crotte, puis elle est ressortie. L'ours, il décide de lancer le castor en l'air juste parce qu'il veut qu'il voie par où aller. Puis ça me fait rire. J'aime beaucoup quand il est dans la forêt parce que c'est très beau. Je suis là. Parce qu'il est du sable. C'est où il appelle son père. Parce que j'aime bien quand il crie vu que papa il a peur. Qu'alors les adultes ils ont jamais peur. Il dit n'importe quoi. Je l'aime parce que les dragouilles font des choses quand même assez drôles. C'est un livre très drôle. Parce que moi, je le trouvais drôle. C'est trop drôle. Le loup, je le trouve très drôle parce qu'elle est aventurière. Et moi, j'aime les aventures aussi qu'elle est très drôle. Et moi, j'aime les blagues alors. Pourquoi tu l'aimes, ce livre-là? Parce que c'est dégueulasse.